Sichem. Sichem était localisé stratégiquement dans les collines centrales du pays. Sichem contrôlait tous les chemins des alentours, mais sa localisation la rendait vulnérable aux attaques. Des excavations dans la ville de Sichem ont révélé une ville ayant des murs faits de larges pierres mégalithiques et le système de sécurité des barrières de la ville. La plus grosse trouvaille fut un temple fortifié de Baal provenant de l'histoire d'Amimelech dans le Livre des Juges au chapitre 9, verset 46. Les gens pouvaient se réfugier de leurs ennemis dans ce temple. Avant Abimelech, Abraham et Jacob avaient bâti des hôtels à Dieu dans la région de Sichem, Genèse chapitre 12 et 33. Et après l'Exode, les Israélites avaient renouvelé leur alliance avec Dieu à Sichem. On trouve ceci en Josué chapitre 24. Sichem a de l'importance dans plusieurs récits bibliques. C'était une ville de refuge pour quiconque avait causé la mort, comme on le retrouve en Josué chapitre 20. Au 10e siècle avant Jésus-Christ, le roi Jéroboam Ier avait fortifié la ville et en avait fait la capitale du royaume d'Israël. 1 Roi chapitre 12, verset 25. La vulnérabilité de Sichem au niveau de l'attaque peut être une des raisons pourquoi la capitale fut déplacée peu de temps après que Jéroboam Ier mourut.